Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez bien, ouais moi ça va très bien. Donc une petite vidéo un peu délire, voilà, bah délire, on va le dire un petit peu, voilà. On va faire un petit test de produit, donc dédicace à Rabu0, dédicace à mon ami Rabu. On va tester des produits, des boissons énergisantes, des boissons machin là, des canettes. Comme je sais que Rabu il teste des Red Monster, et bah moi je teste les... Coca-Cola Energy. Donc, alors c'est des Coca. Alors celui-là c'est un normal et celui-là c'est un zéro no sugar, donc zéro sucre, donc sans sucre. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors du boisson gazeuse gazifiée aromatisée avec caféine, extrait de Garana, Garana, ouais, bah, Garana, et vitamine B machin. Et je crois qu'apparemment il y en a un autre aussi comme ça. De énergie là. Parce que je sais qu'il y en a une autre, mais c'est à la base de cerise. Je crois que c'est pas celle-là. Il y en a une autre, mais en cerise. On va tester ça. Parce que j'en ai testé une. Si mes ongles vont bien. Parce que j'ai bouché mes ongles. Comme je suis stressé de la vie. Il n'y a pas un petit truc pour ouvrir une canette. Je vais faire avec un petit truc pour ouvrir. Faites pas ça chez vous. Quand t'as pas d'ongle, t'as pas d'ongle. On va tester le normal. Le machin, il y a le truc du jour, le contre-jour. Ah si, tu sens la caféine. Il y a un truc de cerise dedans. Il y a du cerise dedans. Lucide, des gras, machin. Dis pas qu'il y a des cerises. Des conseils aux enfants et aux femmes enceintes. Ouais, bah ça c'est sûr. Extrait de... Non, il y a des gars. Ouais. Caféine d'origine naturelle, caféine. Ouais, sans taurine, ok. Ouais, il n'y a pas de taurine dessus. Ah, il est bon. Il est bon. Il est bon, franchement, ouais. Je crois qu'il y a de la cerise dedans. Un goût de cerise, je sais pas dedans. Je suis pas fan de cerise, mais bon, ça passe. Un jeu avec un couteau, hein, les mecs. Hein. Comme j'ai pas d'ongles, je bouffe mes ongles, hein, voilà. Comme je vous dis, je suis. Voilà, quoi. Franchement, Rabu, il faudrait qu'il teste ces boissons-là. Hop. Faudrait que tu testes. Faudrait que tu testes. Alors lui, il a zéro sucre. Et lui, ça sent vraiment le coca. Ça sent vraiment le coca zéro. Tandis que celui-là, il a un goût de coca avec du cerise. Alors, boisson gazifié, aromatisé avec caféine, extrait de guarana, vitamine B, du colorant, ouais. Bon bah apparemment c'est le même truc, mais là il y a un autre goût différent, lui il a ses zéros, mais je sens pas le goût, parce que celui-là je crois que je sens un goût de cerise dedans, je sens un goût de cerise dans celui-là normal, celui-là je sens pas trop le... Zéro que lui. Quand tu termines d'avaler la boisson, tu sens qu'il y a une espèce de goût de cerise. Non, celui-là. Et là, celui-là. Ça sent le coca zéro. Ça sent le coca zéro. Ça sent tellement le coca zéro en fait. Un contre-jour. C'est chiant le contre-jour. Il est chiant le contre-jour. Mais ouais.
Franchement, très bon. Entre ça. Franchement, je serais. Coca. Qui se met ton boisson énergisant. Tandis que Red Bull. Au Luxembourg. Ils ont fait un. Coca Red Bull. Je sais pas si ça existe encore. Pour ceux qui sont venus de Luxembourg, dites ça parce que ça m'intéresse. Là, il faudrait qu'on fasse un truc. Ah, il est bon celui-là, par contre. Celui-là, il est très très bon. Bon, il a zéro sucre. Il est sans sucre. Et celui-là, il est sucré. Franchement, il sent pas le goût de cerise dans celui-là. Soi-disant, celui-là, je sens un goût de cerise. Hein. Je sens un espèce de goût un peu cerise. Celui-là, je le sens pas. Il est zéro, ça sent le goût de Coca Zéro. Quand tu vois là, quoi, je sors le Coca Zéro, quoi. Le Coca Zéro, voilà. Mais franchement, entre celui-là et celui-là, je préfère prendre celui-là. Je préfère prendre le Coca Zéro. Mon truc préféré, voilà, c'est celui-là en zéro sucre, voilà. Que celui-là, bon, il vient. Bon, il est sucré quand même. Celui-là, bon, je préfère celui-là, moi, le zéro sucre. Je préfère le non sucré. Franchement. Je préfère le zéro sucre. Le énergie zéro sucre. Moi je le teste avec ma soeur. Enfin je le teste avec ma soeur. Celui-là. Ma soeur elle a testé avec moi celle-là qu'on avait vu au magasin. Parce que je l'avais testé. Hein. Pour vous dire, je l'ai testé. J'ai dit tiens, il faudrait que je le fasse une vidéo sur la chaîne. Et quand Rabu il a fait une vidéo sur la chaîne, j'ai dit tiens, vas-y, je vais essayer de me mettre aussi tiens, les trucs de test de nourriture, surtout les boissons. Et là j'ai vu quand j'ai vu la vidéo de Rabu, j'ai vu qu'il a testé les monsters en canette de café. J'ai dit tiens, il faudra que je déteste les cafés, mais je suis pas très fan de café froid. Je suis pas très froid moi, je suis pas très fan du froid. Je suis plus que le café il est chaud, par exemple le café locafière, tu bois chaud quand même, tu vois. Mais là franchement ouais, il faudrait que je teste les canettes monsters en de café. Il y en a aussi des monsters que j'ai pas bu parce que monster ça fait une paire d'années que j'en ai pas bu. Enfin, une paire d'années je bois que le verre parce que mon gros père il en boit du monster. Il prend les verres lui par contre, les normales. Les autres j'avais testé un rouge, un orange, jaune, je sais pas quoi. Il y en a plusieurs des monsters, hein. Il y en a plusieurs. Un Red Bull aussi j'ai testé. Red Bull j'aime bien. Moi j'aime bien Red Bull que Monster. J'aime bien Red Bull. Franchement les boissons énergisantes, je préfère Red Bull. Après comme j'ai. Voilà quoi, c'est un peu dangereux. Bon après c'est un truc dangereux quand même. C'est un peu dangereux les boissons énergisantes, mais c'est bien quand t'es pas debout, t'es fatigué, machin. Moi franchement j'en bois ça. Bah tiens en même temps. On va tester celui-là. Bonus le boisson énergisant de chez Aldi, voilà ça, la boisson énergisant qui vaut même pas 1 euro chez Aldi, voilà. Et ça vous voyez la différence, voilà. J'adore décapsuler les trucs comme ça avec mon couteau. Là, ça sent vraiment la taurine. Là, il y a différence. Là, il n'y a pas de taurine. Il y a sans taurine maintenant. Donc, tout ce qui est taurine, voilà, taurine. Vous comprenez la référence. La taurine, ça vient de. Voilà, dans les Monster et Red Bull, t'as de la taurine. Voilà. Donc, Coca-Cola, il y a zéro taurine. Zéro taurine. Mais énergisant. Voilà, leur boisson Coca, quoi. Il y a de la caféine, quoi. Tester celui-là, là il y a de la taurine. Boisson gazeuse aromatisée à la base de taurine avec sucre et édulcorant. Voilà. Ah oui putain. Ah oui celui-là il défonce. Celui-là il défonce. Par contre celui-là il te fait réveiller. Parce que celui-là et ceux-là, peut-être 50% des cas ils peuvent te faire réveiller. Là par contre il te déboîte.
Il est fort, il est fort. Tu sens la... à la bouche directe que c'est fort. Très bas. Lui, tu sens bien à la fin. Tu sens très bien à la fin. Et lui, il est très fort. Dès que tu bois, il est fort. Voilà. Ouais. C'est un petit bonus, ça, le power machin de chez Aldi. Mais bon, je voulais montrer, voilà, là, les deux. Coca-Cola, énergie. Voilà. Et Coca-énergie. Franchement, c'est trop bon. Si vous avez... si vous voyez ça en magasin, prenez-en. Je vous conseille le Nos Sucre. Il est très, très bon, le Nos Sucre. Très, très bon. Petite dédicace à Ragu, hein, comme il, je sais qu'il fait des tests de boissons, de produits. Bah, si tu vois ça Ragu, en, si tu vas en France peut-être, pense-y à prendre les coca. Tu retrouves maintenant, je crois, je sais pas s'ils en ont en Belgique. Teste-en, tu verras kiffer. Ils sont trop bons. Et je sais qu'il y en a un au citron, si je dis pas de conneries, ça. Je crois qu'il y en a une au citron. Mais bon, voilà. Donc, les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. C'était Faux de la chaîne Café Gaming. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao. C'était Faux. Bye. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café. On parle jeux vidéo.